vous avez jamais voté ? Non, jamais. Surtout démarches administratives pour faire les changements liés à des déménagements. Donc ça, le côté pas pratique en fait, compliqué du moins. À quoi vous faites attention dans les programmes généralement ? Au futur, à ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qui sera mis en place, qu'est-ce qui sera proposé. Plus de sécurité, de moyens pour les Français. Faire attention déjà aux Français avant de pouvoir accueillir d'autres personnes. Mon conjoint est gendarme mobile, donc il est extrêmement mobilisé, notamment aux frontières, donc à Menton souvent. Donc pour faire quelque chose qui au final ne mènera pas plus loin, puisqu'on sait très bien qu'ils sont reconduits à la frontière, on sait très bien qu'il y en a qui passent quand même. Donc plus de contrôle aux frontières. Plus du moins une décision qui fait qu'ils ne reviendront pas, et que ça cesse pour de bon. On parle du coup des djihadistes, hein, c'est ça ? Exact. Parce qu'ils font un contrôle, oui, mais après, il y en a toujours qui passent et malheureusement, tout ne peut pas être contrôlé tout le temps. C'est ça qui est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors ? L'interdiction carrément et de ces personnes-là et puis un moyen pour qu'ils ne reviennent pas, surtout.